Bonjour Mélissa, Bonjour Marie. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et présenter ta salle? Moi c'est Mélissa, je suis de Laurent-Sainte-Marie. J'ai créé donc mon association sportive Fitol Dance en 2015. C'est une association qui a pour but de proposer différentes activités sportives à différents publics. La première activité, c'est le fitness. Là, je propose différents cours collectifs. Ensuite, une partie fitness plutôt chorégraphiée pour les enfants et les ados. Et enfin, de la gym éveil, de l'initiation gym, du multisport, des anniversaires sportifs et des stages vacances sportives, donc pour les plus petits à partir de la marche et jusqu'à 7 ans. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu as mis en place le flyer ta Fitol Dance? Flyart, je l'ai mis en place réellement il y a un an. Il y a un créneau pour les adultes, puis un créneau pour les enfants 7-10 ans et un créneau plutôt pour les ados. Quels sont les retours de tes adhérents et les adultes et les enfants sur les cours de Flyart? C'est une activité qui plaît énormément, qui est très appréciée. Les enfants bon, adorent se balancer, découvrir des combinaisons aériennes, adorent le côté plutôt acrobatique. Et les adultes, elles préfèrent le côté douceur, renforcement. Je viens faire du sport, mais sans réellement pratiquer une activité sportive qui est dure physiquement. Mais je sens quelques jours après que j'ai travaillé, que mon corps a travaillé, que tout a été sollicité. Voilà, c'est vraiment les différents retours que j'ai. Quelles étaient tes attentes? Qu'est-ce que tu espérais en mettant cette nouvelle activité en place dans ton association? La première problématique, on va dire, c'est que ici, à Oloron-Sainte-Marie, c'est une petite ville, un petit village, et il y a beaucoup, beaucoup d'associations sportives. Donc, la première chose, c'était me démarquer, en fait, de ces associations-là, en proposant une activité qui sort de l'ordinaire, qui est innovante. Et puis ensuite, pouvoir fidéliser les adhérents et pourquoi pas en faire venir de nouvelles. Et aussi rester dans ce qu'on propose actuellement avec l'association, qui est des activités pour tous, pour les enfants, pour les ados et pour les adultes. Voilà, et j'avais vraiment envie de trouver une activité qui puisse convenir aussi à tous. Est-ce que cette mise en place du fly art a répondu à tes attentes et est-ce que tu es satisfaite de cette implantation? Oui, alors je suis très, très satisfaite de ce cours. C'est vraiment déjà un plaisir de pouvoir l'enseigner, de pouvoir le partager et puis d'en avoir voilà, tous ces retours positifs. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir mis en place au sein de l'association. Très contente aussi d'avoir participé à cette formation, d'initiation et de niveau 1, hein, puisque du coup il y a les deux formations. Et j'attends avec impatience la troisième formation, en fait. Donc oui, Mélissa, toi, tu as été formée au Fly Art en janvier 2020, si je me rappelle bien, et tu as pu suivre les autres formations Fly Art pour le développement pédagogique des instructeurs. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ces deux formations? La première formation, ça a été une découverte, hein, pour l'activité. Et puis, enfin, la mettre en place par la suite, où on est quand même, même si on a été formé et que la formatrice est fantastique, mais le démarrage, c'est toujours un petit peu délicat, voilà. Et puis, ça se met en place progressivement. Et puis, après, on attend effectivement la deuxième formation, où là, il y a des évolutions, en fait, hein, à la fois sur la partie des combinaisons aériennes. Du renforcement musculaire et sur la première partie aussi des assouplissements. Voilà, donc vraiment de belles évolutions à proposer par la suite et ça c'est super hein, pour pouvoir faire évoluer justement les adhérentes sur l'activité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'installation, la formation, les cours enfants, les cours adultes? Un petit commentaire à nous partager dans ce témoignage? Oui. Petit mot, j'adore le fly art, j'adore l'activité, j'aime beaucoup l'enseigner et la formation est super, vraiment très intéressante, formatrice au top et vivement la troisième formation en fait, Marie. Merci beaucoup Mélissa, merci pour tout ton partage et je te dis à très bientôt. Ça marche, à très bientôt, merci Marie.